Salut à tous les surfeurs de l'extrême! Votre pote Zack Storm est de retour pour une nouvelle aventure! Yeah! Monsieur Météo a dit qu'il fallait rester planqué chez soi, mais ceux qui me connaissent savent que c'est pas mon genre! S'il y a une vague quelque part, elle est pour moi! Elle fait 10 mètres de haut, pas de problème! T'as pression? Je connais pas! Yeah! Zack! Reviens! C'est dangereux! C'est... Zack! Zack! Fais attention! Sors de cette zone! Zack, non! Enlève vite le collier! Le collier! Papa? Oh mince, je commençais juste à m'amuser! Ça rend bien à l'image, non? Je l'ai jamais vu briller comme ça. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Oh wow! Le tube de malade! N'y va pas! Non! Zack! Laisse te concentrer. Continue de surfer. Garde bien l'équilibre. Tant que t'arrives de l'autre côté, tout va bien. Comme vous pouvez le voir, il semblerait que je sois encore en un seul morceau. Je suis trop fort. Non ? Mais elle est passée où, la plage ? J'ai dû être emporté hyper loin. Oh, c'est un rêve, je vais me réveiller, c'est obligé. Je suis au fond de mon lit en train de dormir. Ah, tais-toi, le collier. T'es censé me porter chance, pas... Faut que je me réveille, faut que je me réveille, faut que je me réveille! Golden Bones, je ressens une présence. Un objet millénaire semble avoir fait sa réapparition dans l'immensité de la mer de Bérou. Scullivar, ô mon maître, nous fouillerons Bérou de part en part. Je n'en attends pas moins, Bones. J'ai eu écho d'un possible retour de... Quoi que vous trouviez là-bas, rapportez-le-moi.
Chez moi. Hé, un bateau! À l'aide! Hé, oh! Allez m'aider! Petite tête, c'était un magnifique cauchemar. Mais là, c'est bon, j'ai eu ma dose. J'en ai eu assez pour remplir mes 20 prochaines années de sommeil. Je sais pas trop, il est maigrichon. Il y a quelqu'un? On devrait peut-être le mettre à l'eau. Pardon, je rigole. Et j'avoue, parfois mes blagues sont pas hyper méga drôles. Toutes ces années aérées, tout seul, sans voir personne. S'il te plaît, tu veux bien être mon copain? T'es un fantôme? Un fantôme, tu veux dire mort? Moi? Non! C'est juste que je sais pas où se trouve mon corps. Je l'ai perdu quelque part, entre ici et là-bas. C'est dingue ce que je peux être tête en l'air. J'arrive pas à me concentrer. Résultat, depuis, je reste caché sur le chaos. Et de ce que j'ai pu comprendre, il a l'air de t'apprécier encore plus que moi. C'est qui, il? Tu parles du navire? Bah bien sûr, le chaos. Il n'aime pas la plupart des gens, mais il est venu exprès te sauver du Kraken. Tu dois avoir quelque chose de spécial. T'as un truc de spécial, t'as un truc de spécial. Comment on va se marrer? Ça fait des années que j'attendais de me faire un copain. Oh, t'as ramené des jouets? Tu veux voir ma collection de jeux de pied? Oh, on va s'amuser comme des fous. Je sens que t'es un champion de la rigolade. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Je suis pas en train de rêver, hein? Bah non. C'est hyper bizarre, tu trouves pas? Cool, je suis super fan de musique. Oh, je parie que t'es un super musicien. Tous nos abris! Hé! Ne tirez pas! J'ai besoin d'aide! Stulivar disait vrai. C'est bien un objet millénaire. L'œil de Pérou. Tout le monde sur le pont! Préparez-vous à l'abordage! À vos ordres, aux Golden Bones! Non mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Entre parenthèses. Et je suis pas un fantôme, même si je le dis parfois. C'est juste parce que c'est plus court que spectre ectoplasmique trop mignon. À l'aide! Tu veux de l'aide? Je vais t'en offrir. Mais auparavant, je vais commencer par t'enlever le collier que tu portes. J'adore quand ils essaient de fuir. Mais vous voulez quoi? Moi? Mais je ne veux rien, moi. En revanche, mon maître, lui, oui. Et ce qu'il désire, c'est tout ce qui existe dans le triangle, et même au-delà. Je suis désolé, monsieur le squelette de cauchemar. Je veux juste rentrer chez moi. Si je vous donne mon collier, est-ce que vous... Essaierais-tu de me ridiculiser, misérable vermisseau? Non, j'ai rien fait, moi! J'ai même pas bougé! Au nom du seigneur Stulivar, maître des sept mers, découpez-moi cette anguille et apportez-moi la pierre de son collier! Vous savez quoi? Ça suffit! Je comprends pas tout ce qui se passe ici! Mais je sais quand c'est le moment de fuir et quand c'est le moment de se battre! C'est toi qui as fait ça? Non, c'est le chaos! Bande d'incapables! Attrapez-le!
Je vais t'apprendre le respect, moi. Tu n'as aucune chance de m'échapper. Regarde autour de toi. Tu fais face à Golden Bones, la lame la plus redoutée des sept mers. Lâchez-moi! Je vous jure, j'ai rien fait! Et tu n'en auras plus l'occasion. En temps normal, je t'aurais déjà jeté au requin. Mais le tout-puissant Scullibar s'intéresse à ton cas. Scullibar, le fléau des sept mers, le dévoreur de rêves. Et il veut savoir où tu t'es procuré ceci. C'est juste une amulette porte-bonheur. Mais, monsieur Golden Bones, je dirai à votre patron tout ce que vous voudrez si vous me relâchez. Tu as du cran, petit. Ça, je dois le reconnaître. Rien ne s'interpose jamais entre Scullibar et ses désirs. Surtout quand ce qu'il désire est aussi puissant qu'un des mythiques yeux des sept mers. Tu vas attendre sagement ici. Non, attendez! Vous voulez le collier? Très bien, mais laissez-moi partir. J'ai eu ma dose de monstres et de squelettes. Je veux rentrer chez moi. L'œil de Beru. Scullibar te cherche depuis tant et tant d'années. Tu n'as vraiment aucune idée de ce qui est en train de se passer, hein? C'est ça, je me trompe? Attends, je parie que c'est ton premier jour dans le triangle. Le triangle? Oh, le triangle des Bermudes. Oh, allez, arrête. Quoi, tu me crois pas? Et ce qui entre dans le triangle n'en ressort jamais. Oh, il y a tellement de choses à t'apprendre. Où ce garçon a-t-il bien pu trouver l'œil de Beru? Cela fait tant d'années que nous sommes à sa recherche. Laissez-moi m'occuper de lui. Non, j'en fais une affaire personnelle. Qu'on l'amène sur le démoniaque. Quelqu'un d'autre se cache sur ce rafio. Fouillez-le de bord à bord. T'as entendu parler du triangle, non? Tout ce qui est perdu en mer, dans le ciel ou même sur Terre finit ici, dans le triangle des Bermudes. Le triangle, c'est la poubelle cosmique de l'univers. L'ennui, c'est que quand on tombe dedans, on peut plus en sortir. Du coup, bienvenue au club, l'ami. Non, c'est impossible, le triangle des Bermudes n'est qu'une légende. Au début, ils disent tous ça. Pas possible, ça existe pas. Et puis, ils voient les monstres marins, les squelettes qui parlent, et aussi les esprits ectoplasmiques trop mignons pleins d'humour. Et là, soudain, ils se mettent à croire. Tout de suite, là, maintenant, t'es dans l'une des sept mers magiques du triangle. Beru, pour être plus précisoire, même si c'est pas un vrai mot. Il faut un vortex pour aller dans la mer de Blaz ou d'Aeria. Un vortex? Comme les portails dans les jeux vidéo? Il y en a un pour me ramener chez moi? Oh, j'avais essayé de partir d'ici plein de fois avant de perdre mon corps, mais c'est pas possible. Le triangle est collant. Il existe une vieille légende qui dit qu'un jour, quelqu'un parviendra à réunir les sept mers pour en prendre le commandement. Et qu'alors, le triangle s'ouvrira de nouveau. Oh, même moi j'ai réussi à me faire peur. Et qui dirige les sept mers? Personne, enfin pour le moment. Ce sera peut-être toi. Moi? Non, je suis personne. Je ne suis que Zack Storm, fan de surf, vidéaste et blogueur. Je veux juste rentrer chez moi. Oh, comme nous tous. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de sortir de là. Attends, mais toi tu peux sortir? Ah, oh, mais oui, mais t'as pas d'arme. Si tu veux que Golden Bones ait mal à la tête, j'ai pas besoin d'armes. Général Bones, nous avons fouillé le navire de fond en comble. Il n'y a que le gamin. C'est impossible! Bombardement rôle papillon! Tu vas goûter à ma lame, esprit nauséabond. Bonne chance pour m'attraper, les squelettes! Correction, je voulais dire, ça donne! Oh, bien joué, Clovis! Oh, ça fouette! C'est une véritable infection! Normalement, ça marche pas comme ça avec les fantômes! Comment vous avez fait pour m'attraper sans que je le bouillasse? Tu n'es pas le seul à être revenu de l'au-delà. Ça, c'est pas juste. Hé, hey, le sac d'os doré! Attrape ces cadeaux! Mais qu'est-ce que... Zack! Pour Scullibar! Oh.
D'accord, Caillou. Visiblement, t'as envie que je prenne ce machin là-haut, alors... Bah, je m'attendais à ce qu'il se passe un truc. Ouais! C'est la grande clé. Je vous avais ordonné de fouiller ce rafio. La grande clé? Appelle-moi Calabras, moussaillon. Dis, tu vas rester planté là, la bouche grande ouverte, comme un marin d'eau douce, ou tu vas leur rentrer dans l'art. C'est quoi ton patronyme, gamin? Zack. Zack Storm. Ah oui, un nom puissant. Bon, allez, sors-nous de ce pétrin, monsieur Storm. T'es gentil, mais je fais quoi, moi? Oh non, ça craint, Max. Et ça sera pire dans un instant. Mais pour eux, tourne l'anneau et invoque le pouvoir des sept mers. Ça a l'air d'être cool, mais désolé, moi j'ai pas fait option sabre magique à l'école. Demande-moi de te donner l'œil de Blaze, matelot. Faut vraiment que je le dise à voix haute. C'est ça où on finit en pâté pour requin. Donne-moi l'œil de Blaze. C'est carrément transcendant. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Nom d'une jambe en bois. Mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre? T'as une armure magique et un sabre parlant, mon joli. Faut que je te tienne le bras ou quoi? Allez, va-toi! Viens prendre ta correction. Je vais t'arracher ton sabre. Il tombera avec. Yeah. Oh, comment t'as fait ça? Tiens-moi bien fermement et je t'apprendrai tout ce qu'une fine lame doit savoir. T'inquiète, je gère. C'est moi qui gère. Toi, tu t'accroches solidement. En fait, c'est pas si compliqué. Ah, tu parles pas contre moi, mais contre lui, mon bleu. Seuls les pleutres s'abritent derrière les autres. C'est comme le surf. Il faut garder son équilibre et réagir vite. Ça, c'est bon, je sais faire. Moi aussi, je peux me battre. À la bagarre, je suis hyper fort. Allez, approche, si t'es un homme. Maudit labo. Attrapez-le. C'est vous, les pavots. Clovis! Oh, ça fouette! Oh, je retire ce que j'ai dit! Tu sais ce qu'il y a de bien avec le gaz? Ça prend feu! Des boules fumantes explosives! Classe! C'est vrai? Cool! On est potes! Oh. Ainsi prend fin ta minute de gloire, gamin! Ah, tu crois ça? Alors regarde! Hé! Hey, Calabras! Amène-toi, viens dans ma main! Dans les films, ça marche pourtant! Voyez-moi ça, tu t'en tires pas si mal finalement! Donne-moi l'œil de Blaze! Alors ça, c'est ce que j'appelle une attaque fulgurante. Bien joué, capitaine. Capitaine? Je suis pas sûr, mais copain, carrément. Fini de jouer, Freluquet. Les yeux des sept mers appartiennent à Scullivar. Et par la moelle de mes os, je les aurai. Hé hey! Non, j'ai encore besoin de toi. Rallume-toi. Désolé, moussaillon. Ça fait une paye que j'avais pas croisé le fer. Du coup, je suis un peu lessivé. Comment ça, lessivé? Trop cassé pour tout casser. Oui, merci, ça j'avais compris. Y a pas de honte à faire un repli tactique, tu sais. Oh, la classe! Il suffit. Passons par-dessus bord, ces rebelles, et emparons-nous de ce satané sable. Tu vas bouger, vieux rafio. Clovis, comment ça marche, ce bazar? Il est légèrement susceptible, mais chut! Il faut pas lui dire. Ok, j'ai pigé. Monsieur Chaos, vous serait-il possible d'exploser ces satanés squelettes? S'il vous plaît.
ce bateau est vraiment conscient. Dans le triangle, tout est possible, capitaine. Capitaine? Je te propose un truc. Moi, je veux rentrer chez moi. Et toi, tu veux retrouver ton corps. On devrait s'entraider. Si tu veux mon point de vue... Personne t'a rien demandé. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Bah, personne n'a jamais réussi à quitter ce maudit triangle. On sait même pas où sont les verrous à ouvrir pour sortir de ce monde bizarroïde. Et en plus, tu piches que Quick en sabre et en navigation. Clovis. Écoute, moi, je suis à fond avec toi, mais... Va falloir lui demander son avis aussi. Ok. Hé, hey, Chaos, ça te dirait si je devenais... ton capitaine? Genre, juste pour un stage. Pour voir si ça roule. Comme si un navire décidait quoi que ce soit. Ben, on dirait qu'il est d'accord. Dire que je suis déçu serait largement en dessous de la réalité, Bones. Maître, comme je vous ai dit, le gamin, le scélérat possède des pouvoirs que nous ne soupçonnions pas. Ce sont les pouvoirs que donnent les sept yeux des sept mers. Et ces pouvoirs, ils m'appartiennent. Je retrouverai ce scélérat, le sabre, ainsi que... Arrête de geindre et lance-toi à leur poursuite avant que ce gamin qui t'a ridiculisé comprenne ce qu'il a en sa possession. Bien, à vos ordres, maître. Non, ça craint. Y aurait une prise pour recharger mon téléphone? Téléphone, prise? Qu'est-ce que c'est que ce charabia? T'as vraiment un drôle de langage, Bigorno. Ok, Calabras. Et maintenant? C'est à moi que tu demandes? C'est toi qui joues au capitaine. Comme dit mon père, un capitaine se doit de prendre les bonnes décisions. Alors, en avant! Et que ça saute, Moussaillon! S'il te plaît? Il parle d'un capitaine. Ouais, bah ça va, je suis en rodage, là.